Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Nous avons délocalisé notre émission. Nous sommes sur le site de la présidence de l'Université de Kara. Vous savez que l'Université de Kara a célébré récemment ses 20 ans d'existence de cette institution. Eh bien, nous allons recevoir au cours de cette émission le président de l'Université de Kara, le professeur Thiarrier. C'est avec lui que nous ferons le tour d'horizon des avancées et les défis au niveau de l'Université de Kara. Monsieur le Président, bonsoir et merci de nous accueillir dans votre institution. Monsieur Marcel Teuil, bonsoir. Et le merci, c'est plutôt à vous d'avoir accepté de faire le déplacement de Kara. Nous allons parler de l'Université de Kara. Vous avez présidé les festivités des 20 ans. Mais bien avant, on va suivre un gros plan sur l'Université de Kara. Monsieur le Président, 20 ans dans la vie de ce temple du savoir, le second après l'Université de Lomé, eh bien, qu'est-ce que cela représente pour vous ? Permettez-moi de vous dire un sincère merci pour l'opportunité que vous me donnez afin de parler de l'Université de Kara qui vient de clôturer le 12 juillet dernier les festivités marquant le 20e anniversaire de son existence. Effectivement, comme vous l'avez dit, l'Université de Kara a 20 ans. Elle a ouvert ses portes le 23 janvier 2004, après sa création en janvier 2019, c'est-à-dire 5 ans après. Elle a ouvert donc ses portes avec 3 facultés. La première, faculté des lettres et sciences humaines. La faculté de droit et sciences politiques et la faculté des sciences économiques et de gestion. Ça, c'était en 2003. Mais les choses ont évolué. En 2007, il a été créé la faculté des sciences et techniques. En 2015, on a créé la faculté des sciences de la santé. En 2017, il a été créé l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture. Et en 2022, il a été créé l'Institut de formation en sciences pédagogiques et administration universitaire. Voilà donc ce qui existe à l'instant T à l'Université de Kara. Voilà, au vu de la réponse donnée par le président de l'université, nous voyons un peu l'évolution de l'implantation progressive des facultés pour répondre aux besoins de développement. Nous allons suivre les temps forts de la célébration des 20 ans de l'Université de Kara dans ce reportage. L'Université de Kara continue de dérouler son programme marquant les 20 ans de sa création. Sont inscrites aussi au programme des activités sportives. À l'affiche, un match de basketball et un match de football. Se sont rencontrés en basketball l'équipe de l'Université de Kara et le club basketball Kara.
Le match a tourné à l'avantage du club Basketball Kara qui a battu son adversaire sur le score de 38 points contre 26. Du côté du football, c'est une sélection des étudiants de l'université de Kara qui s'est expliquée avec une sélection des enseignants et du personnel administratif de la même institution. La rencontre a mis du temps pour révéler le vainqueur. À la fin, ce sont les étudiants qui se sont imposés par le score d'un but à zéro. Pour les responsables universitaires, il est important d'associer les activités sportives aux autres manifestations du jubilé de porcelaine de l'institution. Les deux équipes victorieuses sont reparties avec les coupes mises en jeu. Pour accompagner l'Université de Kara dans la célébration de son anniversaire, le ministère des Sports et des Loisirs lui a fait don de matériel sportif. Il s'agit de jeux de maillots et de ballons. Ce sont les petits ruminants et les animaux de compagnie qui bénéficient de cette opération de soins gratuits. Les soins sont dispensés par l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture, ISMA, de l'Université de Kara. Cette campagne de soins aux animaux domestiques intervient dans le contexte de la célébration du 20e anniversaire de l'Université de Kara. On a juste voulu allier la théorie à la pratique. Donc on forme des étudiants, mais ces étudiants, que savent-ils faire? Donc c'est une occasion de mettre en avant le savoir-faire d'un des parcours qui est dispensé à l'Université de Kara, notamment les soins et vétérinaire, et donc c'est une occasion également, tout en les formant, de rendre service à la population environnante. Pour cette campagne, ce sont les localités de Lama, de Lassa dans la commune de Kosa 1 et de Pia dans la commune de Kosa 2 qui sont concernées. L'Université de Kara envisage de procéder à la même opération dans d'autres localités à d'autres occasions pour que progressivement les animaux de tous les cantons de la préfecture de la Kosa soient touchés. Une université au service de sa communauté. C'est ainsi que se présente l'Université de Kara. Pour marquer le 20e anniversaire de sa naissance, l'institution a retenu plusieurs activités à l'endroit des populations de Kara et de ses environs. Ce colloque scientifique international fait partie intégrante de ces activités. Ce rendez-vous scientifique des enseignants-chercheurs porte sur la problématique du bassin versant de la rivière Kara. Ce site, qui présente plusieurs atouts pour les populations, est aujourd'hui confronté à un sérieux problème de dégradation dont les facteurs aggravants sont liés non seulement au changement climatique, mais aussi aux actions anthropiques. Il s'agit de l'assèchement continu du lit du bassin, de la perturbation de son régime hydrologique, la pollution de ses eaux, l'exploitation agricole abusive sur sa berge, pour ne citer que ces phénomènes. Des thématiques ont été ficelées pour pouvoir réfléchir afin de trouver des solutions dans le cadre d'un aménagement durable de ce bassin versant. On aura donc à parler du changement climatique d'une façon générale, mais aussi des solutions vers lesquelles il faut aller pour essayer de maintenir le bassin versant dans un état de développement durable pour assurer le devenir des générations futures. Le colloque a été marqué par une conférence inaugurale animée par le professeur Komi Selam Klassou de l'Université de Lomé. Le conférencier a orienté son exposé autour des principaux axes qui sont la définition des généralités et concepts, la manifestation du changement climatique sur le fonctionnement hydrologique de la rivière Kara, la dégradation des conditions hydroclimatiques et la perte des potentialités socio-économiques. Le professeur Klassou a conclu sa présentation par une proposition de piste de solution pour sauver le bassin versant de la rivière Kara. Parmi ces pistes, il y a entre autres le changement de paradigme, la réorientation des modes de vie des populations, l'accentuation de l'éducation et la sensibilisation sur les enjeux climatiques, le reboisement et la lutte contre la déforestation. Ces hommes et femmes éprouvent des problèmes de santé. Ils ont saisi l'opportunité que leur a donnée la Faculté des sciences de la santé et la Société médicale de l'Université de Kara pour être consultés afin de savoir ce dont ils souffrent et se faire traiter. Une opération foraine qui a ciblé deux localités, Pierre dans la commune de Kosa 2 et Djambé dans celle de Kosa 4. Cette opération est organisée à l'occasion de la célébration des 20 ans de l'Université de Kara. Les bénéficiaires voient les organisateurs de cette campagne foraine de consultation et de soins gratuits comme leur messie. Ils ont commencé par communiquer à la radio et gongoner dans le village qu'il y aura une campagne foraine
de consultation pour la population. Pour cela que je suis venue aussi, pour bénéficier de cette campagne pour mes malaises. En dehors de la consultation et de la prise en charge des patients, les organisateurs ont sensibilisé sur les maladies chroniques, notamment l'hypertension artérielle et le diabète, et sur d'autres pathologies comme les cancers de la prostate, de l'utérus, du sein et sur la lombalgie. En remerciant l'Université de Kara pour cette initiative qui vient soulager les bénéficiaires, le préfet de la COSA, le colonel Hemo Badjebo Bakali, a souhaité que l'opération puisse être étendue à tous les cantons de la préfecture. Dans son cheminement depuis son ouverture en janvier 2004, l'Université de Kara a dû s'appuyer sur certaines organisations et institutions pour l'exécution de sa mission, celle de donner une formation de qualité aux étudiants. Au programme des activités de son jubilé de porcelaine, l'Université de Kara a pensé à ses partenaires à travers l'organisation d'une journée qui leur a été entièrement dédiée. C'est pour partager ensemble avec eux les résultats de cette collaboration. Le partenariat, on va dire qu'il se porte très bien, d'autant qu'il apporte beaucoup à cette université dans la dynamique de son développement, mais dans la dynamique aussi de la formation des cadres et des futurs cadres qui vont œuvrer au développement de notre pays. Le président de l'Université de Kara a traduit la reconnaissance de son institution à tous les partenaires, tout en souhaitant que la journée du partenariat soit non seulement un baromètre d'appréciation des conventions signées, mais aussi une occasion de porter une réflexion sur les attentes de l'institution. Le professeur Koko Tchare a émis le vœu que ce partenariat se renforce davantage en vue de permettre à l'Université de Kara de mettre en œuvre son plan stratégique de développement. Dernière étape de la célébration du 20e anniversaire de l'ouverture de l'Université de Kara. Cette célébration a été l'occasion pour le monde universitaire de Kara de dresser le bilan, de revoir le chemin qui a été parcouru et de réfléchir sur les défis qui restent à relever. Le programme des activités prévues pour la célébration de ce jubilé de porcelaine a été exécuté à 100%. L'Université de Kara a vu le jour grâce à feu président de la République, Gnassingbé Eyadema. Le président de l'Université de Kara lui a rendu un hommage appuyé pour sa vision. Cette cérémonie apothéose de la célébration des 20 ans de l'existence de l'Université de Kara a été présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le représentant du chef de l'État, Forestos Mnanyazingbe, a souligné qu'en 20 ans, l'Université de Kara a produit des résultats qui donnent des raisons d'en être fier. La célébration terminée de ces 20 ans, l'Université de Kara a les yeux tournés vers l'avenir dans le souci d'œuvrer davantage pour son rayonnement. Monsieur le Président, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt comment l'Université de Kara a évolué d'une faculté à une autre. Et on voudrait bien savoir les raisons scientifiques qui ont justifié l'implantation ou la création de ces facultés. Il faut souligner que la création par le chef de l'État, Son Excellence Forestos Mnanyazingbe, de la faculté des sciences de la santé et le démarrage de ses activités pédagogiques à la rentrée académique 2015-2016 marque véritablement le point de départ de la professionnalisation des offres de formation à l'Université de Kara, qui totalise à ce jour 29 filières et formations professionnelles dans les grades licence, master et doctorat. En prenant cette initiative, l'Université de Kara a bien voulu que son offre de formation soit en phase avec les priorités nationales définies par les différents documents de planification stratégique comme le plan sectoriel de l'éducation, le PND et la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Donc, c'est dire tout simplement que l'Université de Kara a voulu être en adéquation avec les priorités nationales. Tout à fait. Alors, qui dit création de nouvelles filières, dit augmentation du nombre d'étudiants et d'étudiantes. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Effectivement, je vais essayer de vous donner des chiffres un tout petit peu globaux. Et l'université a démarré en 2004 avec moins de 2000 étudiants. À ce stade,
nous sommes au voisinage de 20 000 étudiants. Mais disons que ce chiffre a un tout petit peu reculé avec l'avènement de Covid. Sinon, on estime environ 11 000 étudiants à la Flèche, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, environ 3 500 étudiants à la FASEG, environ 2 500 étudiants à la Faculté des Sciences et Techniques, environ 2 000 étudiants en droit et autour de 600 étudiants à l'Institut des métiers agricoles et en médecine au voisinage de 400 étudiants. Voilà les chiffres plus ou moins globaux. Alors nous savons qu'une institution qui n'a pas de plan stratégique navigue à vue. Et au vu des informations que nous avons reçues de votre institution, l'Université de Kara dispose bel et bien d'un plan stratégique. Alors est-ce qu'on peut avoir une idée des grands axes de ce plan stratégique et ce qui évolue bien d'un axe à un autre? Après 10 ans, l'Université de Kara s'est dotée d'un plan stratégique 2014-2024. Le bilan à mi-parcours a permis de noter des avancées notables. Cependant, il y a beaucoup d'insuffisances, telles que la non-budgétisation des actions prioritaires prédéfinies, l'absence de plan de mobilisation de ressources et de communication, la faible appropriation du plan par l'ensemble des acteurs, les bouleversements intervenus du fait de la pandémie Covid-19, ainsi que les nouveaux objectifs inscrits dans la feuille de route gouvernementale par les plus hautes autorités ont nécessité l'élaboration d'un nouveau plan de développement en 2022. Et nous l'avons appelé le plan stratégique triennal de développement de l'Université de Kara, qui couvre la période de 2022 à 2024, dont nous sommes en train d'exécuter ce plan triennal après qu'il y ait donc des insuffisances. Nous avons essentiellement 4 axes. Le premier axe, consolider l'environnement partenarial de l'université. Ça suppose que... Ça suppose donc essayer de développer des partenariats privés-publics, des partenariats université-université, partenariats ONG-université. Tout à fait. Ensuite, améliorer les offres de formation et les prestations pédagogiques de l'université. Là, essayer de voir dans quelle mesure les cours peuvent être mieux donnés, etc. Ensuite, développer et promouvoir la recherche universitaire. Une université sans recherche, c'est comme une société sans âme ou bien un monde sans âme. Et puis enfin, améliorer la gouvernance et le cadre de vie universitaire, c'est-à-dire tout ce qui peut intéresser la meilleure organisation des facultés et puis au niveau du centre des œuvres universitaires, comment organiser la vie étudiantine pour mieux travailler. Merci, merci Monsieur le Président. Qui dit faculté nouvelle dit nombre aussi de professeurs croissants. Vous pouvez avoir une idée de toute façon des statistiques. L'Université de Kara a aujourd'hui 223 enseignants. 223 enseignants, dont environ 85 se retrouvent à la Flèche, environ 52 se retrouvent en médecine, et 32 se retrouvent à la Faculté des Sciences et Techniques. FASEG, ils doivent être autour de 35. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est à peu près cela. Et à l'ISPO, ils doivent être autour de 18. Voilà, à peu près. Disons que, effectivement, l'université avait démarré à peine avec une quinzaine d'enseignants. Vous avez parlé tout à l'heure du plan stratégique triennal. Quels sont les atouts et les opportunités qui vous permettent de mettre en œuvre les axes de ce plan stratégique? Oui, les atouts, c'est quoi? Il faut d'abord partir du plan sectoriel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 2020-2030. Au plan national, le cadre réglementaire sur l'enseignement supérieur et la recherche a été défini et reprécisé
par les hautes autorités du pays à travers les grands documents de planification en plaçant ce sous-secteur au cœur des priorités nationales. Au rang de ces documents, il y a le plan sectoriel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, comme je l'ai dit, 2020-2030, et la feuille de route du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui vise à assurer la cohérence de l'enseignement supérieur avec les besoins du marché de l'emploi. Donc c'est sur ces éléments-là que nous nous fondons pour faire fonctionner notre plan triennal. Okay. Est-ce qu'il y a des contraintes qui éventuellement peuvent ralentir la mise en œuvre des actions inscrites dans le plan stratégique? Eh bien, les contraintes, c'est les contraintes budgétaires. C'est tout. C'est seulement les contraintes budgétaires voilà. Qui ne nous permettent pas d'investir suffisamment. Sinon, il n'y a pas d'autres contraintes que ça. C'est ça. Merci, Monsieur le Président. Alors, fidèles téléspectateurs, je rappelle que nous sommes en entretien avec le président de l'Université de Kara. Et nous sommes en train de voir un peu les avancées et les défis. Et nous savons que tout ce qui est fait, c'est dans l'intérêt supérieur de la jeunesse que le politique a décidé d'implanter cette université et de continuer les efforts pour son évolution. Avant de revenir vers le président, nous allons écouter certains bénéficiaires de toute façon des actions de l'université. Je veux parler des étudiants. Il y a certains qui ont fini et qui travaillent déjà et d'autres qui sont en fin de formation et d'autres qui sont en tout cas dans le circuit. On va les écouter avant de revenir au président de l'Université de Kara. J'ai eu affaire à l'Université de Kara, au niveau de la faculté des sciences et techniques, spécialement la filière physique appliquée à l'énergie et à l'habitat. Voilà, donc ça c'est en 2017, nous étions la toute première promotion. Ah, quand parler de la qualité de la formation, je garantis, je peux donner un peu des éléments qui détaillent un peu cette qualité. C'est vrai, quand on était étudiant, on suivait la formation, on se disait que bon, il n'y a pas grand chose, c'est pas bon, on visait plus un peu l'Occident. Mais jusqu'au moment où on a eu la chance de partir nous-mêmes, par exemple moi, on était trois, les toutes premières promotions, trois à être au Sénégal, au niveau de l'université Gaston Berger que nous avons eu à faire. Donc la toute première promotion, on était arrivé là-bas et on a commencé notre cursus de master. Donc juste à la fin de l'année, il s'est fait que on était les trois Togolais de la faculté des sciences techniques qui se retrouvaient là-bas. Nous tous, nous étions majeurs de promotion dans nos différentes facultés. Et je me rappelle que aussi quand on a été majeur de promotion, ça a un peu surpris les enseignants qui étaient là-bas. J'ai eu mon baccalauréat série C. On m'a proposé comme parcours la médecine. Après explication et aussi vu le travail que font les médecins, j'avais l'habitude d'aller à l'hôpital. Donc suite à ça, j'ai développé aussi l'amour pour la médecine. Mais surtout, c'est quand j'ai commencé les études en médecine que l'amour a grandi. Il y a les filles en médecine. Dans notre promotion, par exemple, nous étions au départ 8 filles. Malheureusement, on a perdu une camarade lors du parcours. On est actuellement 7. J'ai soutenu le 26 juin 2024. Un conseil, je dirais qu'il faut avoir tout simplement un objectif dans la vie. Ne pas se dire que je suis fille, ma destinée, c'est me marier, avoir des enfants. Les études aussi, c'est fait pour les filles. Les filles peuvent étudier, aller loin. Et je conseille vivement aux filles de se donner aux études pour pouvoir devenir des recadres plus tard. Tous les enseignants, femmes comme hommes, sont des modèles pour moi. Mais précisément, comme modèle féminin, je vais lister la professeure Rouzou Mouzou, qui est actuellement notre doyenne à la faculté. C'est franchement un modèle. Quand on la voit, c'est une source d'inspiration pour nous, filles de la médecine, et d'une manière générale pour toutes les filles. Monsieur le Président va revenir sur les atouts qui permettent à l'Université de Kara de mettre en œuvre le plan d'action. Il faut dire quand même que dans ce plan stratégique, plusieurs actions sont déjà menées et d'autres en cours de réalisation. Sur le premier axe relatif à la consolidation de l'environnement partenarial de l'université,
comme je le disais au début, plusieurs accords de coopération sont signés. Accord de coopération avec l'Université de Grenada en Espagne, avec l'Université de Parakou au Bénin, avec l'AUF, avec l'Université de Fadangourma au Burkina Faso, avec les patrons de presse, etc. Le soutien au groupement d'épargne et de crédit communautaire installé dans la partie septentrionale de notre pays, l'organisation des audiences de soins gratuits aux populations de la région CARA, ainsi que des soins vétérinaires aux animaux de la préfecture de la COSA. Voilà un certain nombre d'avancées. Avant que vous n'abordiez le second axe, notre présence dans la CARA nous a permis effectivement de sonder certains bénéficiaires. On va les écouter avant de revenir pour la suite de cet entretien. Moi, je suis un éleveur de moutons, de chèvres. J'ai plus de 50. L'université de CARA est venue nous dire qu'ils vont nous vacciner. Ils nous ont aidés. Ils sont venus, on a gongoné, les gens sont sortis. Même le jour-là, ils n'ont même pas pu faire tout le monde. Les gens étaient pleins. Voilà que bon, ils nous ont fait, même les chèvres, les moutons, les chats, même les chiens aussi, ils ont fait. Ça devrait me coûter cher. C'est-à-dire à peu près combien? À peu près 50 000 comme ça. Hein. Ouais. D'accord. Votre mot de remerciement donc alors. Donc mon mot de remerciement, c'est que je remercie beaucoup les cas qui n'ont qu'à faire tout et tout. À l'année prochaine, ils vont venir nous faire ça aussi. J'avais les maux de bas ventre et je suis venue pour me consulter. Et quand tu es venue, après quand tu as payé les soins? Bon, je suis venue me consulter. Le docteur m'a dit qu'il y aura consultation foraine de revenir le lendemain pour voir que c'est. Foraine d'où? Ça vient d'où? Foraine venant de l'université de CARA. Et je suis revenue le lendemain. On m'a consulté, on m'a fait l'échographie et l'échographie me disait qu'il n'y a rien. Ils m'ont donné certains produits d'aller prendre. Vraiment, je suis satisfaite et je n'ai plus eu le mal depuis que j'ai pris ce produit-là. Je remercie l'Université de CARA. Je remercie aussi le président de l'Université de CARA. Taïou Mambadé, l'université d'Ambogombayodondo, le groupement de crédit d'Omlé. Mama, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Groupement solem bo ko ride ne rebose rebose ale de we ya nenne nale te tabno ne te tayle la 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 le ling to kor par pa sem do to re de pno ka ban sangada to bu mno ne ya na de so le re tay groupe mo ba na de so to groupe mo ba na de so da te bo so ne mbumbur na ke sa wa ba dai bro de fe male mon bois de la maïque pour me battre à la samla ni ma cousin de malaké tout comme de base n'est qu'un de la malie d'y aller la maman passe au maya sacana n'a de son an zambé au manzini malaka basse basse n'est un bateau de maman sonna ou à sam padeau la maroma hikuna oui ma messe yé boum ya boum ma houda noyo c'est maman passe au monde unissia la besoin n'a pas de fait ma houda besoin de mon gobi la lambo yé basse n'a pas de taro son ne veut pas les aisés. Tu es bien, Manon et Nadu sont là. Tu as un rôle, mais c'est un peu comme ça. Je ne sais pas comment on est. 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 Je ne sais pas comment c'est l'université de la balle, que j'en go la bro, t'es de visujao d'ailleurs. Et tandro, et j'arrive au set de zéro. Demande la carrière d'Abawile, et visujao d'ailleurs. Le programme depuis 2018 organise les communautés à la base en groupement de crédit communautaire. C'est des personnes qui se réunissent, qui font des épargnes hebdomadaires et qui s'accordent des crédits sur un cycle de 52 semaines. Donc c'est un système flexible
qui permet donc aux différents bénéficiaires d'initier, de consolider et d'accroître les activités génératrices de revenus. Donc au sein de ce groupement, nous faisons de l'éducation à l'intelligence financière et de l'éducation civique et citoyenne. Pour être en lien avec la vision du chef de l'État qui est de renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et de garantir la paix. Donc l'Université de Kara se sent interpellée par cette vision et joue sa partition, surtout en rime avec sa mission de service à la communauté. Voilà. Et vous remercie en tout cas pour ce qui est fait à leur endroit. Je souhaite vivement que ces ans d'actes humanitaires se poursuivent. Merci beaucoup. Sur le second axe concernant l'amélioration de l'offre de formation et de prestations pédagogiques, de nouvelles offres sont créées, comme le master professionnel en médecine d'urgence. Vous savez que c'est un grand problème. Lorsqu'on amène en urgence un malade à l'hôpital, les gens ne sont pas suffisamment professionnels pour les prendre en compte. Donc l'Université de Kara a créé ce master. Le master professionnel en gynécologie obstétrique, le master en développement durable et environnement. Je vous informe également que nous avons saisi le CAMES pour accréditer l'ensemble de nos offres de formation pour qu'elles soient reconnues sur le plan international. Sur l'axe relatif au développement de la promotion de la recherche universitaire, il faut dire que beaucoup de choses sont en train d'être faites pour encourager les enseignants à faire une recherche appliquée au développement régional, au développement national. Ainsi, nous avons nos enseignants qui gravissent très rapidement les échelons. Cette année, l'Université de Kara a présenté 29 candidats et les 29 ont été inscrits, 4 professeurs titulaires, 17 maîtres de conférences et 8 maîtres assistants. Et donc, c'est dit tout simplement que l'Université de Kara est en train d'aller très rapidement. On va marquer une petite pause. Effectivement, nous avons tendu le micro au coordinateur des masters et autres. Eh bien, il va attester, confirmer ce que le président de l'université vient de dire. Une formation doctorale au sein d'une université, c'est fondamental. Fondamental dans la mesure où nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle le système LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Vous conviendrez avec moi que sans le D, le système n'est pas complet. Vous avez des licences où vous initiez des étudiants à comprendre la science, à aller vers la recherche, où fondamentalement c'est au master qu'on va initier les étudiants à la recherche, mais on les forme à une logique de recherche, on les forme à la recherche, à concevoir un projet et à bien le conduire en thèse. Et fondamentalement, sans la thèse, une formation ne peut être complète à l'université. Dans un système LMD qui a été ratifié par les premiers responsables du pays et qui ont souhaité que les universités s'inscrivent dans cette dynamique, ce serait une grave erreur que nos universités ne s'inscrivent pas dans cette dynamique. Et s'inscrire dans cette dynamique, c'est d'avoir les 3 maillons du système LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Voilà, Monsieur le Président, la suite. Bien, concernant le dernier axe, à savoir améliorer la gouvernance et le cadre de vie universitaire, des dispositions sont prises pour améliorer ce cadre et les conditions d'accueil des étudiants. À cet effet, Son Excellence M. Forestier Ozomnenyasingbe, président de la République, a posé la première pierre pour la construction des infrastructures pédagogiques et administratives au campus Nord le 24 avril 2023, ouvrant ainsi la voie au démarrage effectif des travaux qui sont d'ailleurs en cours. À terme, l'Université de Kara aura une grande capacité d'accueil avec des infrastructures modernes. Je saisis donc cette occasion pour lui adresser les remerciements sincères de la communauté universitaire et à ces remerciements, je joins aussi les miens. Monsieur le Président, nous savons que vous avez pris les rênes de cette université il n'y a pas longtemps. Voilà, l'Université de Kara a démarré avec feu professeur Agbetra. Après, c'est le professeur Chapelé. Vous avez remplacé le professeur Sanda. Quel est l'héritage que vos prédécesseurs vous ont laissé avant que vous ne continuiez ce que vous êtes en train de faire de si bien?
au vu des résultats que vous êtes en train de partager avec nous. Quand on crée une université, c'est pour des milliers d'années. Mmh. Tant que la société existe, exactement, l'université aussi va exister. D'abord, mes hommages à tous mes prédécesseurs. Tout à fait. En commençant par le professeur Agbetra, paix à son âme, qui, avec des haches, des roues, tout à la main, a commencé par mettre l'embryon de l'Université de Kara en 2004. Après lui, le professeur Tchapelé a pris les rênes. Disons que lui, il a mis la fondation. Les différentes facultés que nous avons citées, c'est sous lui que ça a été augmenté. Et lui, il a mis la fondation. Le professeur Komla Sanda, lui, l'a en quelque sorte monté les murs. Et moi, je les rends tous hommage. Eux, ils ont fait tout pour que l'Université de Kara soit un pôle d'excellence dans la sous-région. Et ça se voit à travers la prestation, l'évolution rapide des enseignants de l'Université de Kara. Donc je leur dis un grand merci pour tout ce qu'ils ont fait. L'objectif visé par cet entretien que nous avons avec vous, c'est de nous dire un peu les avancées et les défis. On va aborder maintenant la rubrique défis auxquels fera face l'Université de Kara dans les prochaines années. Les défis sont énormes. Une université, c'est à vie, tant que la nation existe. Une université, c'est le haut lieu du savoir. Alors, on ne finira jamais de construire une université. Aujourd'hui, j'ai dit, les défis sont au niveau des résidences universitaires. Sur 20 000 étudiants, l'Université de Kara n'a pu loger que 88 étudiants. Or, une université, il faut dire la vérité, c'est quand les étudiants se côtoient dans les cités universitaires que des amitiés se créent pour être des amis à vie. Auquel cas, l'étudiant est obligé d'être juste avec ses collègues de la faculté. Il ne connaît pas celui de médecine, il ne connaît pas celui de droit, il ne connaît pas. Donc, les résidences universitaires, c'est un grand défi. L'autre défi, c'est l'insuffisance des infrastructures d'accueil, c'est-à-dire que des infrastructures pédagogiques, voilà. Les amphithéâtres. Les amphithéâtres, ça. À ce jour, l'Université de Kara fonctionne beaucoup plus avec des agoras que des amphithéâtres. Or, un amphithéâtre, c'est quelque chose construit avec une qualité requise. Il y a également des problèmes sur le personnel enseignant et administratif. Vous savez, le ratio international, il faut un enseignant pour 40 environ étudiants. Mais nous avons un ratio, un enseignant pour environ 100 étudiants. Et ça, là, c'est d'une manière approximative. Il y a des facultés où on voit un enseignant pour 150 étudiants. Donc, il y a ce personnel enseignant qui nous manque. Le personnel administratif et technique, c'est des gens qui servent de pont entre les étudiants et les enseignants. Là également, c'est un défi. Donc, c'est dit tout simplement que les défis sont énormes. C'est ça. Maintenant, peut-être si vous voulez que j'avance sur... Et c'est en même temps des sujets de plaidoyer à l'endroit du décideur. Voilà. OK. À l'endroit des décideurs. Mm-hmm. Voilà. Maintenant, peut-être les priorités. Il y en a tellement que je ne sais comment les classer. Comme je l'ai dit, il va falloir construire d'une manière urgente, dans les 2 ans à venir, au moins 1 ou 2 résidences universitaires, aussi bien au campus sud qu'au campus nord. Il y a aussi la réhabilitation des cités existantes, parce que l'ENI nous avait laissé quelques cités, et donc il y a 3 que nous devons réhabiliter le plus rapidement possible. Il y a l'acquisition des bus pour faire venir les étudiants sur nos campus. On en avait 20, mais 14 sont en panne, impossible de les réparer. Donc c'est une priorité pour moi.
L'autre chantier qui me tient beaucoup à cœur, c'est la réhabilitation des voies d'accès sur nos campus universitaires. Vous allez visiter le campus sud. Nous n'avons fait que juste colmater cette voie qui existe depuis l'ouverture de l'université, qui est complètement dégradée. Je prête à dire, en dehors de la volonté politique, il y a des partenariats qui peuvent vous aider. Bien sûr, nous sommes en train de taper à toutes les portes. Tout à fait. Il y a l'amélioration aussi des offres de formation et de prestations pédagogiques. Ça demeure une priorité parce que nous devons adapter nos formations à l'évolution de notre pays et surtout aux métiers prioritaires. Donc nous sommes obligés de réadapter nos offres de formation pour être en adéquation avec le marché de l'emploi. Nous devons revisiter notre parcours LMD. Il a été mis en œuvre en 2007-2008. Nous pensons que c'est le moment de nous asseoir et de savoir est-ce que tel que nous l'appliquons, il est bon ou il est mauvais. Et je pense que c'est également l'une des priorités. Nous devons également faire en sorte que la manière dont on proclame les résultats à l'Université de Kara, avec des soi-disant compensations qui ne favorisent pas la sortie des résultats rapides, je me dis que nous devons revenir sur cette question pour voir comment amener les étudiants au rattrapage. Si à un étudiant il manque une ou deux unités ou trois unités, peut-être le ramener au rattrapage, cela permet qu'il augmente un peu sa capacité avant d'être proclamé admis. Les perspectives que j'ai, en toute sincérité, vous savez, l'Université de Kara a un site très intéressant. Le père de la nation nous a offert 1000 hectares. Disons, on a circonscrit 1000 hectares. Sur les 1000 hectares, je pense que nous devons créer une forêt classée sur environ 50 hectares. Nous allons créer une ferme agro-pastorale où on fait toutes les activités desquelles on peut tirer des ressources pour alimenter notre restaurant universitaire. Nous devons créer un jardin botanique dans lequel on va planter des arbres qui poussent dans la partie septentrionale. Et ça va servir en même temps de bibliothèque naturelle pour les étudiants qui veulent faire l'agroforesterie, etc. Et je pense également, avec les infrastructures qu'on est en train de nous construire grâce au président de la République, il y aura un institut polytechnique. Nous devons orienter notre institut polytechnique vers des métiers simples. Par exemple, les énergies renouvelables. J'ambitionne de former les étudiants en fabrication des plaques solaires, comment les implanter, comment les entretenir, pourquoi ne pas avoir sur 20 à 30 hectares rien que des plaques solaires qui vont alimenter notre université. Au moins nous avons cette ressource qui ne tarit pas en Afrique. Donc voilà à peu près ce que je pense vraiment comme... Et j'ai envie de clôturer notre université par des arbres, c'est-à-dire une clôture naturelle. Les gens vont m'aider. En attendant d'avoir les moyens de faire une clôture en béton, on peut ne serait-ce que clôturer notre université par des arbres qui protègent l'environnement. Et ainsi, l'Université de Kara va rentrer dans le processus vraiment de protection de notre environnement. On en a besoin. Voilà, et ça s'aligne à la politique de l'État. Alors, Monsieur le Président, nous avons reçu le ministre de l'Enseignement supérieur dans une émission et il a relevé une incohérence récemment où quand un étudiant, par exemple, qui est en faculté d'histoire et de géographie à l'Université de Kara, il ne peut pas continuer, s'il n'homologue pas, il ne peut pas continuer à l'Université de Lomé alors que les deux universités sont sous la responsabilité du même ministère. Alors, quel est votre commentaire sur cette incohérence dont a relevé le ministre ? Non, c'est une incohérence criarde, vraiment. Une incohérence que personne ne comprend. Et moi, depuis, même avant que je n'arrive ici, j'ai fait la violence pour que
le département de mathématiques de l'Université de Kara s'aligne sur le département de mathématiques de l'Université de Lomé. Et ça, pour le moment, nous avons réussi. Et je crois que ce que le ministre a relevé est une réalité et une grosse bêtise de notre part. C'est-à-dire, trouvons des moyens simples pour qu'il y ait une fluidité des étudiants. Exactement. Le président de l'Université de Lomé était venu ici à Kara et nous allons harmoniser d'abord nos offres de formation. Si nous formons un étudiant dans une filière telle qui se trouve à Lomé, ça doit être les mêmes unités exactement, d'enseignement, exactement. Les mêmes crédits et ensuite, il n'y aura pas de problème d'homologation. C'est ça. Et ça, pendant ces vacances, nous allons mettre les commissions qui vont travailler et s'il plaît à Dieu, à la rentrée, nous allons démarrer ces unités d'enseignement harmonisées. Il y a aussi, le gouvernement a pris une décision très intéressante sur la mutualisation des enseignants. J'allais en venir, mais donc allez-y en même temps. Voilà. Mm-hmm. Vous savez, l'Université de Kara a 1110 missionnaires par an. Cela veut dire que j'invite les enseignants de l'extérieur, c'est-à-dire extérieur de Kara, ils sont au total 1110 pour l'année 2023-2024 qui est en cours, parmi lesquels 251 venant de l'étranger. Les billets d'avion, l'accueil à Lomé pour l'amener ici. Quand on finit, on fait les examens, comment les copies doivent lui parvenir, etc. Et je pense que la mutualisation dont le gouvernement est en train de mettre en œuvre est une bonne chose pour l'Université de Kara et pour les autres universités qui vont être créées bientôt. Cela veut dire quoi? Un enseignant qui est à Lomé, qui ne réalise pas son volume horaire, peut venir à Kara. Au lieu que je lui paye comme un missionnaire, il vient compléter les heures et je ne le prends en charge qu'au niveau du logement, qu'au niveau de son déplacement. Et puis après, on pourra calculer s'il a des heures supplémentaires. On verra dans quelle mesure nous allons lui payer ces heures supplémentaires. Donc je crois que c'est des décisions très salutaires pour l'Université de Kara et que l'Université de Kara s'inscrit dans cette logique et va faire tout pour que cela se réalise. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes en entretien, voilà, je l'avais dit, avec le président de l'Université de Kara qui nous retrace un peu les grandes avancées, les perspectives, les défis qui se posent à l'Université de Kara dans les prochaines années. Le travail est en cours. Et on va vers la fin donc, de cette émission par une toute dernière question. La toute dernière question, nous voulons savoir, Monsieur le Président, quelles sont vos attentes vis-à-vis de vos enseignants qui sont sur le site ici, les étudiants, les partenaires par rapport à tous les chantiers que vous avez annoncés. Quelles sont vos attentes vis-à-vis d'eux? Eh bien, mes attentes sont énormes. D'abord, vis-à-vis de mes collègues enseignants. C'est vrai, nous sommes en train de prendre certaines mesures que d'autres vont peut-être juger de mesures dictatoriales. Par exemple, la loi dit qu'aucun enseignant au cours de l'année universitaire ne peut s'absenter de son université plus de 45 jours. Mais il y a des enseignants parfois qui demandent à voyager pour 6 mois, 9 mois, parfois au-delà, sans prendre une année sabbatique ou une mise en disponibilité. Et nous disons non. Ce que j'attends de mes enseignants, vous devez être aux côtés des étudiants. Lorsque l'étudiant vous voit et que, entre-temps, vous avez fait un cours, il y a de cela 2 semaines, il y a un aspect que l'étudiant n'a pas compris, il vous pose la question. Il faut une certaine proximité entre les enseignants et les étudiants. Il ne faut pas que l'enseignant pense que l'essentiel, c'est d'avoir le grade et l'essentiel, c'est de venir donner les 150 heures ou 200 heures. Non. Il doit participer à toutes les activités universitaires, les colloques, les réunions du département, les séminaires hebdomadaires, etc. Donc, je veux que les enseignants soient disponibles plus proches des étudiants. Quant aux étudiants, c'est le courage. C'est vrai que les difficultés dans lesquelles nous travaillons, ce n'est pas toujours facile, mais je les encourage, ça va venir progressivement. C'est vrai, entre-temps, il y a eu Covid et beaucoup de cours ont été faits en ligne. Ces cours en ligne
auraient renvoyé beaucoup de nos étudiants pauvres qui n'arrivaient pas à s'acheter des Android ou s'acheter des crédits pour être... Nous sommes en train de voir ce qui est sur la digitalisation, on ne peut pas ne pas la faire. Mais on va trouver des formules hybrides pour voir dans quelle mesure on peut minimiser les cours en ligne en attendant de relever le niveau de vie de tous les étudiants et maximiser les cours en présentiel. Parce que cette chaleur entre l'enseignant et les étudiants, je crois que ça développe davantage. Maintenant, aux partenaires, c'est de regarder d'un œil positif l'Université de Kara. C'est une université jeune et les difficultés financières de l'État ne permettent pas un développement rapide. Mais le gouvernement a bien la volonté. Eux aussi n'ont qu'à venir nous apporter leur soutien. Tous ceux qui peuvent venir accompagner d'une manière ou d'une autre l'Université de Kara, ils seront les bienvenus. Bienvenue. Bien, Monsieur le Président, nous sommes arrivés, comme je l'ai dit, à la fin de cette émission. Votre dernier mot à l'endroit de l'opinion nationale. À l'endroit de l'opinion nationale, c'est que l'Université de Kara est une université orientée vers la professionnalisation. L'Université de Kara est une université au service de la communauté. Et donc, l'Université de Kara adapte ses formations vers vraiment l'obtention des emplois et en lien avec les métiers prioritaires du gouvernement. Et ça, l'Université de Kara offre de bonnes qualités. L'Université de Kara va continuer cette excellence parce que, qu'on le veut ou non, c'est l'excellence qui paye. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, téléspectateurs, qui nous avez suivis dans cette émission, véritablement spéciale dans le cadre des 20 ans de l'Université de Kara. Nous avons appris beaucoup de choses du président de l'Université de Kara. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne un rendez-vous pour un autre numéro de débat éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.